Dernière matière de la session. On va regarder les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants. Seulement les équations homogènes, on a retiré les hétérogènes, encore une fois, compte tenu des coupures qu'il a fallu faire. Avant de se lancer, évidemment, dans la résolution des équations linéaires d'ordre 2, à proprement parler, je vais introduire quelques notions. Puis là, je vais faire un survol rapide de la théorie. Ça va être vraiment rapide. Peut-être que vous n'allez pas tout saisir du premier coup. Vous pouvez relire à tête reposée. Par contre, ce qui va être important, c'est les conclusions à la fin, puis comment on résout en pratique les exemples par après. Je vais introduire ce qu'on appelle un opérateur différentiel, qui est l'opérateur grand D. Quelles sont les caractéristiques de cet opérateur grand D, qu'on appelle l'opérateur différentiel? Je dis grand D i, y. C'est une façon synthétique d'écrire la dérivée im de y par rapport à x, i fois. Puis évidemment, vu que c'est en réalité la dérivée, ben l'opérateur différentiel est un opérateur linéaire, donc grand D, c'est une somme et la somme de grand D appliquée à chacun des éléments de la somme. Puis j'ai un procès de distribution aussi, distributivité. Donc ici, donc si je dérive i fois, en fait ici, nous, si on dérive j fois une fonction y, qu'on la dérive k fois, puis qu'on redérive après ça i fois, ça revient à dériver i plus j fois y, la dérivée i plus k fois, puis additionner les résultats. Donc, je peux distribuer l'opérateur grand D, puis j'additionne les exposants. Comme d'habitude. C'est sûr, si je dérive j fois, puis qu'après je dérive le résultat i fois, ben j'ai dérivé la fonction i plus j fois. Puis à quoi va nous servir cet opérateur grand D? En résultat, ce qu'on va appeler l'équation caractéristique de notre équation linéaire. Donc, dire que l'équation est homogène, c'est dire qu'elle est égale à zéro. Fait que c'est quoi une équation? Quelle forme a une équation linéaire d'ordre 2? À coefficient constant, ben j'ai y prime prime, donc la dérivée seconde, plus une constante, donc un coefficient constant, c'est ça que ça veut dire, plus une constante fois y prime, la dérivée première, plus une constante fois la fonction y, comme la dérivée d'ordre 0, si on veut, égale 0, d'où le terme homogène. Puis a et b sont des constantes, évidemment. La technique de résolution, on va la faire ici, on va l'illustrer rapidement. Vous n'aurez pas à vous retaper tout ce travail-là. Donc, si je transforme mon équation différentielle à l'aide de l'opérateur différentiel, ben ici, je dis quoi? Je dérive la fonction deux fois, donc j'ai grand D2y, plus A fois la dérivée première, donc plus A fois la dérivée de la fonction y, plus BY égale 0. J'ai DY partout que je peux mettre en évidence. Ce qui me reste, c'est grand D2 plus AD plus B. Mais ça a une structure d'équation quadratique. C'est ça que je vais appeler l'équation caractéristique de mon équation différentielle. Puis, toute fonction quadratique peut se factoriser. Soit par... Donc, évidemment, je peux factoriser, fait que d moins le premier zéro, d moins le deuxième zéro, fois la fonction y, où R1 et R2 sont les racines ou les zéros de l'équation caractéristique. Puis, vous avez vu au secondaire, puis même on a souvent dit au cégep que, bon, une quadratique, ça peut se factoriser en nombre réel, ou des fois, il peut y avoir deux zéros, un zéro ou aucun zéro. Mais ça, c'est seulement pour les nombres réels. Mais le théorème fondamental de l'algèbre nous dit que c'est toujours factorisable. Soit j'ai des nombres réels différents, R1 et R2 sont différents. Pensez à une parabole qui coupe l'axe des x à deux endroits. Soit R1 et R2 sont des nombres réels, mais en fait le même nombre réel. Donc R1 égale R2. Pensez à une parabole dont le sommet est sur l'axe des x. Où on vous disait, ben, si la racine là, dans la formule quadratique, dans le fameux B2 moins 4 racines, s'il est plus petit que 0, on vous disait, ben, il n'y a pas de 0. En fait, il y a deux zéros, mais ils sont complexes. C'est des nombres complexes. Comme vous avez vu en algèbre linéaire, probablement avec tout le chapitre sur les nombres complexes. Donc, je peux toujours factoriser une parabole en nombres complexes. N'oubliez pas que les nombres réels sont des cas particuliers des nombres complexes, avec une partie imaginaire égale à zéro. L'astuce,
c'est de dire on va poser U égale D moins R2Y. Donc, ce qui finissait mon équation caractéristique ici, là, la deuxième partie qui est là, je l'appelle U, je fais un changement de variable. Si je fais ça, ben, mon équation différentielle écrite avec l'opérateur différentiel et factorisé va devenir D moins R1 fois U, ce qu'on a ici, égale 0. Ça veut dire DU moins R1U égale 0. Ça veut dire que la dérivée de U par rapport à X égale R1U. Ça, c'est une équation à variable séparable. Je peux envoyer le U avec le DU, puis le DX avec la constante. Je peux intégrer de chaque côté. Je vais avoir ln de valeur absolue de U égale R1X. Puis, si je veux isoler mon U, ben, je vais mettre des exponentielles. Ce qu'on va obtenir ici. Donc, on obtient que U est égal à une constante fois E à la R1X. D'accord? Mais U, c'est D moins R2Y. Donc, là, si je distribue, ben, DY, c'est la dérivée de Y par rapport à X, moins R2Y égale ma constante fois E à la R1X. Ça, c'est une équation linéaire, comme on a vu il y a pas longtemps, avec P de X qui vaut moins R2, puis Q de X qui vaut quand 1 E à la R1X. Donc, mon facteur intégrant, ce serait l'intégrale de moins R2, ce qui me donnerait moins R2X. Donc, E à la moins U, j'aurais ça ici. Donc, on a le détail ici du calcul qu'on obtiendrait pour notre équation linéaire. Puis maintenant, pour connaître à quoi ressemble la fonction Y, il faut se questionner sur la nature de R1 et R2. Donc, dépendamment de la nature de R1 et R2, on va avoir des formes différentes pour Y. On passe le détail. Donc, on arrive ici. Puis c'est ça qui va être important pour vous, pour pouvoir résoudre les équations. Donc, si R1 est égal à R2, donc si j'ai une racine réelle double, pensez à une factorisation qui donnerait, par exemple, x moins 3 au carré. Et c'est comme x moins 3 fois x moins 3, dans les deux cas, le 0 vaut 3. Ben, si R1 égale R2, automatiquement, mon Y, c'est K1, qui est une constante, X, E à la R1X, plus K2, E à la R1X. La différence, c'est qu'il y en a un des deux qui est multiplié par X. Évidemment, quelqu'un pourrait écrire K1, X, E à la R1X, plus K2, K1, E à la R1X, plus K2, X, E à la R1X. Le X, je peux le mettre en un ou l'autre. Les constantes vont s'ajuster si j'ai des situations particulières après ça à traiter. Vu que le R1 est pareil, ça ne change rien. Le deuxième cas, si j'ai deux racines réelles différentes, exemple x moins 3 fois x plus 4, ben, la solution va être y égale k1e à la r1x plus k2e à la r2x. Donc ça ressemble à ce qu'on avait avant, mais il n'y a pas de x associé à une des constantes. Puis le troisième cas, c'est si j'ai deux racines complexes. Les racines ne sont jamais égales quand elles sont en nombre complexe. Puis quand on a des racines, ce qui est le fun, c'est que quand j'ai une racine, son conjugué vient toujours avec. Donc si j'ai une racine qui est a plus bi, l'autre va être son conjugué, donc change le signe du milieu. Ça va être a moins bi. Même chose, si je trouve a moins bi en premier, ben l'autre va être a plus bi. Puis dans ce cas-là, la solution va être y égale k1e à la ax cos de bx plus k2e à la ax sin de bx. Rappelez-vous, au début de la session, on avait beaucoup travaillé avec des formes de ce genre-là. Ou si ma k1 est un nombre purement réel, puis k2 peut être un nombre complexe. Donc un nombre réel ou un nombre complexe, plus généralement. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que si c'est la comparaison, donc l'étude des racines, puis la forme associée. Fait que dans le fond, résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 2, homogène à coefficient constant, revient à résoudre une équation quadratique. C'est enfantin dans la résolution. Évidemment, ça l'était moins pour trouver qu'il fallait faire ça. Puis je comprends la théorie, quand même quelque chose, on cogne vraiment à la porte de l'université. Mais c'est quand même abordable au niveau où vous êtes rendu.